Exact. Comment as-tu deviné? Je voyage. Je pars pour un nouvel univers où je recommence tout à zéro. Ah, fuck! Il est 6h! C'est l'heure de partir! Yes! En avant, les amis! Eh ben, wow! Oh putain! Ah! Charlie! T'es là toi aussi? Yes! C'était... attends... Ouais, c'est exact! Il y a une seconde vite fait de... Une minute de plus... Ouais, mais c'est pas grave, de moins, on va dire. Ouais, c'est ça. Nickel. Comment je m'appelle? Et tu as oublié comment je m'appelle? Pfff, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on s'appelle... Ken... Shiro Nizuka. Hop. Merci beaucoup pour la deuxième fois. La classe! C'est Mimi, pas vrai? Je pense que... Ah, ça doit être là qu'on doit choisir. La classe! Exact. Je suis une fille, putain, vite, tu te fous de ma gueule! Je déconne, je suis un mec. Tu l'as dit. Alors, on quitte Tokyo. On était sur la version GameCube. Pour aller. Ouais, je vais à Midgar. Je vais rejoindre Cloud et les autres. C'est ça. Surtout pour le remake. Ah putain. Ouais, exact. Enfin, ça dépend quoi. C'est dans le désert et tout. Enfin, c'est pas grave. Alors, exact. À fond, mec. Pas du tout. J'en ai aucune idée. Ouais, j'avoue, c'est comme la première fois. Je refais les mêmes erreurs. J'ai pas de thunes. Franchement, je verrai sur place. Non. Ouais, ouais. Je pourrais créer une banque, c'est pas grave. Ok. C'est quoi ce bordel? Oh putain, c'est la carte de Midgar. Je me rappelle pas que c'était comme ça. Alors, donc là c'est la boutique. Ok, donc ça doit être Tom Nook. Je suppose que ça doit être les mêmes. Le tailleur, hein, il est ici. On a un tailleur. Est-ce que c'est les sorts doigts de fée ou c'est pas la même chose? Je verrai. Hein. La mairie, elle est ici. Putain, on a une mairie. Holy shit. On a le musée. La porte. Ok. On a une porte. C'est intéressant. Je peux pas choisir. C'est quoi tout ce bordel? Ok. D'accord. Cool. Pas de problème. Donc je dois aller à la mairie. Ok, on arrive. Cool. Pas de problème, Charlie. A plus. Ça y en arrive. C'est ma gueule. Allez, salut Charlie. Fais gaffe en rentrant avec le bus. Putain, on est en bus. Ah, comment ça fait chelou. Oh ma gueule. Je fais trop une tête de psychopathe. Pour afficher la carte, pointe l'icône
Qui est avec tes grenouilles? Ok. Ok, oh putain. D'accord. Donc genre dès que je me déplace. Ok. Ouais, ok. Donc la carte. Et il faut qu'on aille là. C'est quoi tout ça? Photo? Aucune photo dispo. Ferme cette fenêtre. Appuie sur ok. C'est quoi ça? Des amis. What? What the fuck, les gars, je suis complètement en train de délirer. Micro-chat. Tu te fous de moi, quoi. Qui en s'en bat les couilles? Alors, on y va. C'est quoi, là? Je vous avoue, mais j'ai envie de visiter un truc de taré. What? Bonjour, les gars. Eh, hey, mais je vous connais, vous étiez pas flic avant. Vous venez de changer de métier. Un poste frontière de Midgard. Ok. Un ma... Genre, elle est tout, on peut jouer en ligne. Ok, d'accord. Je viens de découvrir, les gars. Et les filles. Ok. D'accord. Ok. Génial. Ok, genre, et toi, on peut faire des petites parties en ligne, genre où ils peuvent nous rejoindre et moi je peux rejoindre leur ville. Si c'est ce que j'ai compris, hein. Ça se trouve, je suis en train de dire de la merde, mais. Waouh! Ok, donc là, waouh! Putain la vache, les gars, je suis en train de. What the fuck? La map, elle tourne! Putain! Sortir de la GameCube! Sortir de la version GameCube et arriver à. Oh putain, j'ai l'impression que ma tête, elle est en train de tomber. Ouais. Je sais pas trop ce que j'ai pris comme drogue, mais ça doit être assez efficace. Salut, putain, cochonou. Toi, je vais taper cochonou. Rose! Comment tu sais comment je m'appelle? Je viens à peine d'arriver, il y a même pas 2 minutes. Je suis connu à ce point-là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Content de te rencontrer aussi, Rose. À plus! J'ai pas de pelle, ça sert à rien. Je connais un. Je me demande s'il y a ça. Ça, c'est la mairie. Je suis sûr que c'est la mairie. Ok, bon alors la mairie, hein. Perdons pas de temps. Ah non, ça a pas l'air d'être la mairie. C'est la poste. Attends une minute, c'est pas Tortimer derrière? Putain, c'est quoi tout ça? On dirait un truc pour retirer du fric. Bienvenue. Vous n'êtes pas un client enregistré. Ah, merci de votre visite. Sagon. Ok, poubelle. Alors, ramasser les ordures, ça fait que tu as 6 heures tous les derniers. What? Ah, ok, cool. Donc, on peut jeter les trucs là-dedans. Ça change vachement de la version GameCube. Je suis assez content. Salut OP. Mais putain, ça fait un bail. Ça fait 2 mois, je crois. Mais je te connais, OP. Alors. Exact. Il y en a 4. D'accord. Ok, donc je peux choisir. Alors, la maison au bord de la mer. Je dois avouer que c'est assez intéressant, mais c'est peut-être un peu loin. Ça, c'est la maison de Rose. Angus, Axel, Philibert, Alice. Merde. Celle à côté du bureau de poste, donc de la mairie. Je sais pas trop. Mais j'ai envie peut-être de prendre celle à côté du lac. Sincèrement. Et ça, c'est quoi? C'est la limitation, ça, l'espèce de truc vert? Qui est vert clair? C'est assez étrange. Ça m'étonnerait puisqu'on peut aller là. Donc ça. Putain, la vache, je suis paumé, les. D'accord. Donc faut que j'y aille. Ah bah, on y va. D'accord. Est-ce que je peux courir? Oui, je peux courir. Oh, je peux sprinter! Sprinter, sprinter! C'est quoi cette baraque? Ah, c'est celle qu'on peut acheter qui est à côté de la mairie, d'accord, ouais. Ok, alors ça m'intéresse pas. Et c'est celle-là, la maison. Je dois avouer qu'elle est plutôt pas mal ici. Je suis à côté de. On va rencontrer ce personnage. Angus! Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? J'étais devant toi? Merci beaucoup, Angus, tu es très sympathique. Hop, hop, hop. Là, on est vers l'océan. Ah, c'est quoi ça? Sauvegarder. Ok, je peux sauvegarder comme ça, quoi. Génial. Putain, si ça change tout, là.
Ça, c'est la maison de qui, ça? La maison de Philibert. D'accord. Et ça, c'est la fameuse maison, au bord de la mer. J'avoue que la maison au bord de la mer est intéressante, mais je suis plus attiré par l'autre. Je vais voir la maison tout en haut. Oh la vache. Je me sens déjà un peu perdu. Je vous avoue, là, je viens d'arriver, je me sens perdu. Ça, c'est la maison de qui, ça? Ah oui, j'avais visité. Et ça, c'est la maison tout en haut. D'accord. J'avoue qu'elle est un peu moins... Donc, ok, j'ai fait mon choix. Ça va être pas celle-là, déjà. Ça va être celle plus bas. Merde, j'ai pété des fleurs. Ça va être celle-là. C'est un peu le bordel. Putain, j'ai pas habitué à jouer à Animal Crossing avec la Wiimote, quand même. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Est-ce que ça, on peut allumer ça? Non, on peut pas toucher à ça. On a déjà un étage? Oh putain! On a eu un lit! Ok. Bah ouais. Je choisis cette baraque. Intéressant. Bah ça doit être toutes les mêmes. Genre le sol en mode. Tropique. Oh putain la vache! Oh Tom Nook, ce psychopathe quoi, il m'attendait devant la baraque. Exact, tu te rappelles de moi? Je me rappelle de toi et de tout ce que tu m'as fait faire, enfoiré. Tu m'as fait payer tes dettes, tu m'as fait payer toute la baraque et tu as installé une statue de moi en or. Plutôt joli d'ailleurs. Je sais, je te connais Tom Nook. Exact, elle me plaît. Oui! C'est exact. Super. C'est génial! Je sais ça, personne ne veut cette putain de cassette, même à Tokyo s'ils en voulaient pas. Le grenier? Putain, sur la version GameCube, on avait pas de lit. C'est généreux. Ok. D'accord, d'accord. Pas la peine. Entre le terrain, les bâtiments, les impôts, les surtaxes, les frais divers. Ouh la vache. Ok. 19 800 clochettes. Ça va. Dans la réalité, on serait mort. Mais dans ce jeu, ça va. 19 000 clochettes, franchement, ça passe. Ok, vas-y, j'achète. D'accord. J'en ai aucune idée. Je vais braquer une banque. Je vais taxer du fric aux gens. Sauf Angus parce qu'il a un super t-shirt flamme. Et je vais fouiller les poubelles. Enfin, je déconne, mais. D'accord. Oh, génial. Donc en fait, on revient au même délire. Oh merde. Oh non. Je connais ton putain de métier. Tu vas me faire faire les tâches à la con là. Comme un stagiaire. Ouais, d'accord. J'ai pas le choix de toute façon. Ok. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, à plus. Bon. Donc je peux souhaiter. D'accord, ok. Putain, je viens d'avoir des trucs. Alors ok, donc attendez, je prends tout ça et comment je fais pour voir mon inventaire? C'est ça mes poches. Ok. Ok, c'est plutôt intéressant. On a réussi à avoir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On a réussi à avoir des poires. Allez, on va voir le maire. Je lui mets une poire dans le cul. Monsieur le maire! D'accord, okay. Je viens à peine d'arriver, attendez deux secondes quoi. Mon animal préféré, c'est le guépard, mais ok. Putain. Le chat, le pélican, le ratin laveur, la tortue. Donc si je choisis la tortue, j'aurai peut-être des trucs spéciaux. Si je choisis le raton laveur, j'aurai peut-être un prix réduit. Si je choisis le pélican, j'aurai peut-être plus de lettres et de trucs cachés. Et si je choisis le chat, je reverrai Charlie et plus de voyages.
C'est une théorie à la con. Hein. Je dis ça au pif. Allez, le chat. Ok, d'accord. Je suis sûr que choisir le chat, ça fait genre le feignant, tu sais. Ils écoutent de la musique de fou, ils se lavent plus les jeux, ils ne respectent plus leurs aînés. Putain, mais c'est exactement moi. Comment t'as deviné enfin? Créant de Dieu. Comment déjà? Putain. Exact. Eh oui, Tortimer, t'es déjà vu toi. Vous devez être tous des clones. On doit être dans une dimension parallèle, c'est pour ça que vous vous souvenez plus de moi. Ouais, je suis en train de partir dans les... d'ailleurs. Bien, j'ai parlé au maire. Qu'est-ce qu'on va devoir voir? Vas-y. On va aller voir Rose, et j'ai rencontré Angus, j'ai rencontré. C'est Axel que je n'ai pas encore vu. Et bon, on va aller. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'indicateur sur la carte. Axel, je cherche un nom d'Axel. Ah, il est là. Oh putain, c'est quoi ce truc? Un éléphant. Salut à toi, Axel. Demi-portion. Yo, dis donc, tu vas te calmer, toi? On vient à peine de se rencontrer, c'est pas très sympathique. Dans ces rues. On est dans un village. Bon, à plus, hein. Alors, il doit être dans sa baraque. Je vois que c'est allumé. Oh, putain. Attends, mais je te connais, toi. J'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part. Philibert. Ah, pas du tout. Tu dois te confondre avec quelqu'un d'autre. Bizarre. Salut, Philibert. J'adore visiter Nintendo.com. Ok, la pub, quoi. Ça va, c'est bon, on sait que c'est Nintendo, les mecs. Alice et Nadine. Oh, putain. Ok, il y avait d'autres habitants, j'avais pas fait gaffe. Waouh. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais faire une crise cardiaque. Attention. Nadine! Putain, la gueule, mais c'est quoi ce truc? C'est aucun animal que je connais, hein. Exact, hein, la vache. Carotte. Une rencontre inoubliable. Je confirme, je risque pas de t'oublier. Je viens de rencontrer une espèce inconnue, quand même. Ok, alors, toi, qu'est-ce que tu es? Ok, spécial comme tête, mais salut Alice. Yep. Pas de problème. Oh yeah. Oh yeah. Bon bah voilà. On a rencontré tout le monde, je crois. À moins qu'on ait encore une nouvelle surprise. Non, on a rencontré tout le monde. Hein. Bon bah il reste plus qu'à aller là. Ok, donc il est tout en haut. Oh putain, la vieille boutique Tom Nook. Comme dans les débuts. Salut. Exact. Bon, au départ, c'est un peu difficile. Oh, génial. Ok. Ça va être la tenue dégueulasse, là. Ok. Ça, c'est la portée. Ah super, on peut le porter direct. Je déteste cette tenue. Non merci, mais je l'aime pas du tout quand même. Putain, et comme je viens à peine d'arriver en ville, il est 19h48 et je dois déjà aller bosser quoi. Putain, quelle vie de merde. Bon, donc du coup, on va planter tout ce bordel là. Alors, planter. Voilà. Planter. Voilà. Désolé, hein, moi je fais ça à l'arrache. Hein. Pour le moment, ça m'intéresse tellement pas de faire son putain de boulot. En plus, pour le peu que je vais te payer, d'accord. Voilà. Ouais. Ouais. Je suis pas trop sûr de l'idée de planter un arbre ici, hein, quand même. Ça va gêner la vue, j'y ai pas pensé. C'est pas trop grave. Vas-y, on va planter un arbre à des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Ici, il y en a trop. Et ici, là. Je viens de voir un trou, là. On va pouvoir creuser. Ça y est. Il faut bien se rapprocher pour parler. Ouais, à peu près. Merci beaucoup, mais tu vas vite être déçu avec moi. Ok.
Ah, rose, d'accord. Alors, Rose, elle habite... attendez, j'ai même pas besoin de regarder la carte. Je crois qu'elle est là. C'était Rose, toi, hein, si je me trompe pas. Oh, je suis trop balèze. Salut, Rose. Comment ça va bien? Alors, quoi de neuf? J'ai un paquet pour toi. Prends-le et casse pas les noisettes. Allez. Confirmé. Tiens. Yep, je fais des livraisons à 19h51. Franchement, on est mal barré, hein. T'es un ard... Attendez, c'est cool, mais t'es un acharné du turbin, yo. What the fuck? Je suis un acharné du turbin, les mecs. C'est un buffet polono... Polonia, d'accord. Normal, quoi. M'a refilé sa merde, elle est contente. Ok. Alors, c'est le... 10... 0... 2... Voilà. C'est le 10 février. Exactement. Bravo au jeu. Bravo là, oui. Je l'aime bien, Rose. Attends une minute. Il n'y avait pas un personnage là sur la GameCube qui s'appelait Rose et qui me cassait les couilles. Je l'avais appelé Cookie Do d'ailleurs. Non, c'était Rosie, pas Rose. Ils ont peut-être des liens parentés. Ce serait mauvais signe. Hop. Ok, qu'est-ce que ça va être? La clientèle. D'accord. La Nadine. Ok. Ici comme sur le machin. Écrire une lettre. Ah. Où est-ce qu'elle est, Nadine? Elle est là. Hop. Confirmé. Ok, c'est là. Vente. Bon bah voilà. Vente spéciale pour toi, à plus burritos. Oh, c'est génial. Quelle super lettre incroyable. Bon, ça y est, je l'ai fait. Maintenant, il faut qu'on aille à la mairie. Salut, OP. Fonds de donation, une ville, environnement. C'est pas là? Mais OP, tu t'occupes plus du tout de la poste? Quoi? D'accord. Ah, c'est là. Ok, j'avais pas fait gaffe, en fait. J'ai débarqué en voyant OP, j'ai fait OP. Et j'ai pas vu qu'en fait, là, ça concerne donc la ville. Et là, ça concerne, en fait, la poste. Putain. Alors maintenant, t'arrêtes tes conneries. Et tu... je veux rentrer chez moi, là, putain. Ça m'a pris un peu trop de temps. Mais va te faire en... Oh, mais non. Je dois avouer que la map comme ça qui se tourne, j'appréhendais un peu. Je me demandais si ça allait vraiment être gênant. Parce que j'ai reçu déjà des commentaires comme quoi il y a des gens qui n'aimaient pas vraiment cette vue là. Mais ça va en fait. Alors je crois que c'est toi, Philibert, hein, si je me trompe pas. Ah oui, c'est bien toi. C'est pour toi. Prends ce magnifique cadeau, mon enfant. Un tapis volant pour Philibert. Tu iras jusqu'au palais des merveilles. La caverne des merveilles, je dis de la merde parce qu'il est rare. Allez, à plus, Philibert. Sympathique, ce Philibert. Je l'aime bien. J'aime bien ce personnage de jeu vidéo. Il est intéressant. J'aimerais bien retrouver Réré. Super. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Foutez-moi la paix. Mais putain. Oh, j'espère que c'est le dernier après. Hein. Parce que moi, j'en ai ras le cul. Connard! Ah putain, c'est elle, j'avais oublié! Bonjour à toi, chose inconnue. Ma tête cache son visage. Je pense que c'est mieux ainsi, franchement. Tiens, c'est pour toi. Prends-le et je me casse d'ici. Tiens ton truc là pour t'arroser la gueule. Allez, à plus. Non, vraiment, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cet animal. Est-ce que c'est même un animal? Est-ce que c'est même un extraterrestre de l'espace intersidéral d'une autre galaxie? Parce que là, moi, j'en suis pas trop sûr. Ça y est. S'il te plaît, mec, me donne plus de trucs, là. Hein. Oh non. Ok, ah, c'est... Oh, ok, ça change. Ouais, je l'ai vu. Alors, c'est là. Le bouton écrire sert à publier un message. Gauche et droite permettent de voir les différentes pages. Fermé
permet de quitter. Bravo, la logique de merde, on n'avait pas compris. Allez, go chez nous, espèce de plouc de l'espace. Go. Ça y est, espèce de plouc. Alors. Ouais. Super. Yes. Oh oui, j'ai enfin terminé. Super. Ouais, ça va. J'ai mis 1400 clochettes. Oh, il a été plus généreux que sur la version GameCube. Yes. Yahoo. Fini le travail. Tu es libre. Je suis libre. Le texte n'était pas exact. Bon bah voilà. On a terminé pour ce premier épisode de Animal Crossing. Hey, salut Angus. Qu'est-ce que tu fous dans ma baraque? Yo, t'essayes de faire quoi là? Ça va pas la tête? Avec une pelle, mais tu as tenté m'assassiner, putain! Ah, super. On peut allumer la lumière. Ok. Et du coup, là, j'ai pas de zik. Donc voilà. Bon bah, on a terminé pour ce premier épisode de Animal Crossing. Let's go to the city! Que je trouve vachement intéressant. Putain, on a un téléphone. Non. Putain, c'est Charlie, qu'est-ce qu'il fout? Allô, Charlie? Charlie? C'est quoi ce bordel, mec? Comment t'as eu mon numéro? Audio? Texte? Menu? C'est quoi ce bordel? Putain, j'ai eu Charlie au téléphone! C'est super. Ah, cool. Quitter la partie. Donc voilà. C'était le premier épisode de Animal Crossing Let's Go to the City. Assez long pour le premier épisode, c'est normal puisque c'est l'épisode pilote. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez que je continue, dites-moi, il n'y a aucun problème. Et du coup, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut, Boritos.